C'est un des clubs phares des Côtes d'Armor. Le FC Lannion accueille sa deuxième détection. Âgés de 9 à 10 ans, les enfants arrivent motivés. Pour le plus grand bonheur des parents, qui, en tribune, sont attentifs à la séance. La journée débute par un briefing avec les membres du staff. Le terrain d'entraînement est divisé en 4. D'un côté, les U10 et de l'autre, les U11. Passe, dribble, contrôle, les 5 joueurs venus de Perros-Guirec, Tréguier ou encore Cervelle sont venus faire leurs preuves et se mélanger à l'équipe locale. T'as des enfants de votre club qui viennent pour voir si c'est bien la nuit pour intégrer le club la saison prochaine. Pendant tout l'entraînement, les éducateurs donnent le ton. Allez, top ! Tous les profils sont étudiés dans les moindres détails pour ne garder que les meilleurs. On évite de prendre plus de joueurs qu'il ne le faut. Déjà, on se cantonne à 4 joueurs, voire 5 joueurs par génération. C'est-à-dire, on avait des U10 et des U11. Si on doit prendre des joueurs extérieurs, on prendra rarement plus de 4, voire plus de 5 joueurs par génération. Ils devront faire preuve d'un peu de patience. Les résultats ne seront communiqués que début juin.